Pour des nombres naturels ABC, le nombre 2 exposant A fois 4 exposant B fois 8 exposant C est un carré parfait si une des cinq affirmations est vérifiée. Question, laquelle? Nous partons de ce produit-là. Comme 4 est égal à 2 exposant 2 et comme 8 est égal à 2 exposant 3, nous pouvons écrire ces deux puissances sous la forme 2 exposant 2b et 2 exposant 3c. Le facteur au milieu, ça c'est un carré parfait, puisque c'est 2 exposant b, le tout exposant 2. Ce facteur-là, nous l'écrivons sous la forme 2 exposant 2c plus 1c, c'est-à-dire sous la forme 2 exposant 2c fois 2 exposant c. Les deux facteurs au milieu sont des carrés parfaits. Ces deux facteurs extrêmes, nous les mettons ensemble et nous écrivons alors ce produit sous cette forme-là. C'est bien 2 exposant A plus C, voilà, fois 2 exposant 2B plus 2C. Et dans cette somme 2B plus 2C, on peut mettre 2 en évidence. Ainsi, nous voyons que ce facteur est un carré parfait, puisque c'est 2 exposant B plus C, le tout exposant 2. Si A plus C est un nombre pair, alors on peut l'écrire sous la forme 2 fois un nombre naturel. Et dans ce cas, ici, nous aurons également un carré parfait. Donc si A plus C est un nombre pair, alors ce produit peut s'écrire sous la forme 2 exposant 2 fois un nombre naturel n plus 2 fois b plus c. Et ainsi, cette puissance de 2, ça donnera un carré parfait, puisque dans cette somme, nous pouvons mettre le 2 en évidence. Ainsi, nous obtenons donc ce carré parfait, et c'est bien le c, la bonne réponse. Nous allons répondre à la question suivante de l'Olympiade de mathématiques lors du tutoriel suivant.